Quelle importance a pour MIOD, ces Africains appellent intelligence artificielle et ChatGPT? Alors, tout d'abord, il est important qu'il nous note qu'AI avec ChatGPT est un élément important dans corporate governance. Et si nous relate avec le rôle de la MIOD, qui est un rôle important, par ailleurs, d'être un agent de change qui peut promouvoir tout ce qui est best practices par rapport à la bonne gouvernance institutionnelle. Alors, Zodi nous comprend d'ailleurs, d'après sa présentation qui nous fait par Dave Koo, qui AI, c'est quoi? C'est une machine avec un comportement intellectuel. Donc, il est très nouveau et nous trouvons qu'il peut évoluer rapidement. Et tout le monde peut poser des questions, puis dire c'est quoi? Sur l'importance? Comment ça peut être nous? Donc, il est clair. AI avec ChatGPT pour aider productivité dans mon business, pour aider au niveau communication, pour améliorer l'efficience de mon organisation. Mais, il y a un mais que nous avons en considération. Et ça, mais là, c'est le dark side of AI. Et ce dark side-là, c'est quoi? Là, on peut faire référence à mon risque de cybersécurité, on peut faire référence à ma protection de données et aussi les autres risques qui peuvent associer quand on est trop dépendant sur sa AI avec ChatGPT. Donc, nous utilisons AI et ChatGPT comme un tool qui peut aider nous, bien sûr, dans la vie de tous les jours, mais nous sommes capables aussi de servir avec un sens d'éthique et avec un sens de responsabilité. Mais nous trouvons qu'il y a une date depuis le commencement. Computer, 1950, c'est le départ de tout ça, la naissance du computer. Vous êtes étonné que ça commence avec le computer? Non, pas du tout. Et avec la technologie, nous sommes là toujours en avance, avec tout ce qui peut passer, hein, avec l'évolution dans le business. Nous bien présents, nous bien au courant et nous bien participer aussi et nous bien être en avant par rapport à la technologie. Ça est important. Donc, il n'est pas étonnant du tout et nous trouver aussi qu'il est pour évoluer, pour continuer à évoluer. Et peut-être pour encore les autres tools qui peuvent venir, qui pour aider nous, par exemple, faire une vidéo et faire. Là, avec ChatGPT, nous sommes capables de produire un texte. Nous avons fait des affaires. Hein? Texte, c'est un des mêmes exemples, mais il peut évoluer peut-être dans le bon sens. Mais nous devons servir correctement. Ou en charge de la formation de mon directeur. C'est-à-dire que quand on peut dire directeur, c'est mon directeur qui est le conseil d'administration. Comment ça peut gêner un peu le travail ou bien améliorer le travail de ce mon directeur là quand je vais avoir une décision pour une entreprise ou une institution? Alors aujourd'hui, ce qu'ils nous font, c'est ça, ils forment un élément important dans nos piliers d'advocacy. Donc, augmenter la conscientisation au niveau des business leaders de l'importance de AI et ChatGPT et des risques qui sont associés. Maintenant, ce qui peut venir, bien sûr, après, ça va être suivi de ma formation avec un expert qui nous trouve aujourd'hui, qui nous donne un petit peu plus de détails. Comment mieux utiliser AI et ChatGPT. Et bien sûr, au niveau board, nous offrons une formation pour qui comprend l'importance de AI et ChatGPT dans le futur et comment peut-être nous capables d'intégrer dans nous, mon business, pour une meilleure productivité. Un de mes grands projets de MIOD dans le passé, c'était GDPR. Je trouve aussi qu'il y a une tension un peu, comment dire, de GDPR pour ça, GDPR là, par rapport Pas du à tout ça. tout. GDPR, c'est quelque chose qui évolue également parce qu'il y a un risque qui est associé. Et data privacy, c'est quelque chose qui là, est intégré dans nous la vie tous les jours. Et récemment, nous avons fait un travail avec Data Protection Office où MIOD a participé quand nous cause le rôle de GDPR et data privacy dans
Manboard, au niveau Manboard, Manboard of Directors. Comment il est important qu'il nous comprend sur l'importance et comment il est important qu'il nous comprend aussi qu'il y a un risque associé avec ça. Est-ce qu'il y a un maillot servi de chat GPT dans son travail de tous les jours ou bien apparaît comme en Italie ou TikTok ou point interdit? Ben, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a découvert, qui m'a utilisé. Et à considérer, et bien sûr, s'il peut améliorer la productivité, comment nous pouvons intégrer l'IA dans nos systèmes. D'ailleurs, au niveau MIOD, nous lançons une Business Transformation Journey depuis 2021. Nous implémentons beaucoup de nos projets, nos websites, nos systèmes, intégration de nos systèmes. Et pourquoi pas ChatGPT, s'il apporte de la valeur, bien sûr.